Plusieurs dizaines de citoyens originaires de Jarabel ont gagné les rudes pour le pêche vendredi pour exiger la réhabilitation des tronçons de route, notamment celle de Jarabel pour le paix depuis trop longtemps piteux état. Pour les manifestants, le titulaire des TPTC, Rosemont Pradel, n'a annoncé aucun plan de reconstruction des infrastructures routières au niveau du département. Plusieurs personnalités ont pris part à cette manif convoquée par le mouvement SOS Nord-Ouest. Alain Valbrun appelle le gouvernement à se mettre à l'œuvre dans le plus bref délai. Mouvement SOS Nord-Ouest, on l'a aujourd'hui pour demander l'État haïtien reconnaître que des gens qui vivent dans Jarabel. Donc, depuis l'État à l'État, Jarabel, pas de personnes tronçon, oublié. Malgré les gens Jarabel a payé taxes, mais taxes ne vont pas retourner vers nous. C'est ça que le mouvement SOS prend là où il y a pacifiquement aujourd'hui pour demander l'État haïtien 111 millions de gouttes qui sont sur le budget pour route là, que vous faites route Jarabel pour le pays. Aussi simple que ça. Le leader de la structure Faustin, Paul-Élie Faustin, et certains militants qui étaient de la partie déplorent le comportement du gouvernement d'Ariel Henry qui, depuis après l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse, abandonne les différents chantiers initiés par l'élu du PHTK. C'était également le moment pour l'entrepreneur Juliette Jean-Philippe de dénoncer les tentatives de l'équipe de fusion des sociaux-démocrates via des manœuvres du ministère des TPTC, essayant de réaffecter les 111 millions de gouttes destinés à l'amélioration de plusieurs tronçons du bas nord-ouest. Nous ne pouvons pas faire tapage, nous ne pouvons pas mouler caoutchouc. Nous simplement choisir pour nous venir revendiquer droit nous, que l'État doit nous, qui c'est route. Jarabel Port de Paix. Route Jarabel Port de Paix, il doit faire. Et nous ne pouvons pas négocier. Et nous continuons la bataille. Et jusqu'à présent, nous connaissons 111 millions de gouttes qui sont disponibles pour route là. Et que nous voyons un message par le ministre Pradel. Nous n'avons pas perdu 111 millions de gouttes. Nous n'avons pas détourné notre département. Nous sommes pour Jarabel Port de Paix. Mon Jarabel montre aujourd'hui que nous sommes zombies. Et nous bataillons jusqu'au bout. Monsieur Deschamac, ex-maire de la commune de Jarabel, menace de passer à une autre phase si la voix de la population n'est pas entendue. Il y a une revendication en clair. Nous venons devant TPTC, nous venons revendiquer pour route Jarabel. Et ça fait nous venir aujourd'hui à nous mobiliser. Nous, il y a 111 millions dans le TPTC. L'État s'est débattu pour faire route dans le nord-ouest. Aujourd'hui, nous arrivons dans un moment critique. Et c'est ça que fait moi-même, étant que Maïssa Mac déjà, nous accompagner Maïssa pour nous revendiquer droit nous, pour nous demander pour nous faire route là-bas. Et l'argent qui a gagoté dans l'État, l'argent qui a gaspillé dans toute institution, je dis à si nous avons 111 millions, nous demandons directeur de TPTCA pour le mettre, voile, nous lever voile nous bien haut pour nous demander TPTC pour organiser travail ça pour nous parce que nous avons nécessité. Et nous lançons tout message à tout le monde. Dans la commune Jarabel, la commune Port de Paix, qui a vécu dans Port de Paix, dans les gens qui sont au Mol Saint-Nicolas, les gens qui sont en BDN, les gens qui sont en police, qui a vécu. Et prochaine occasion, nous remembrons ça, nous avons invité toutes quatre communes du Nord-Ouest, ni commune Port de Paix, pour aider nous dans la bataille. Parce que la bataille est longue et difficile. Il faut dire qu'un bras de fer avait le jour entre l'agent intérimaire de Port de Paix et le représentant du MTPTC suite au décaissement de montants de plusieurs millions de gouttes destinés à la direction départementale du MTPTC du Nord-Ouest. Dans une interview exclusive à Zoomaïti News, le directeur départemental du ministère des Travaux publics, Transports et Communications du Nord-Ouest, Angelo Racius, avait fait état de la poursuite des travaux de plusieurs tronçons de route reliant le département du Nord-Ouest.